Bonjour. Oh, attendez, attendez, attendez. Tenez, c'est pour vous. Merci. Merci, bonne journée. Oh, il est magnifique. Oh. Encore? On peut pas mettre un petit peu dans le bureau ou dans la cuisine, je sais pas, moi, on a l'air d'un... salon mortuaire. Voyons donc, pas du tout. Regardez, celui-là vient de la chambre de commerce. C'est magnifique. Et celui-là, c'est le club optimiste. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est correct. Bon, qu'est-ce que j'ai comme après-midi, moi? Hein? Est-ce qu'on va avoir le temps de faire un petit peu de médecine vétérinaire aujourd'hui? Mais là, le docteur Dufour est venu de son dîner, puis il est en consultation, mais vous, votre premier client n'est pas encore arrivé. Bon. Puis ceux-là? Ah, oh, c'est pour le docteur Dufour. Il tient absolument à ce que ce soit lui. Ah. Tous? As-tu passé une annonce dans le journal, toi, Coudon? Ah, voyons, non, pas du tout. Ça fait 25 ans que le docteur Dufour s'implique dans le quartier. C'est normal, ça. Ils veulent le remercier, puis souhaiter bonne retraite. Je vois bien ça. Ça, là, c'est la carte. Vous devez la signer. Mm. Puis n'oubliez pas que c'est vous qui faites le discours. Ah, oui, je sais, je sais. Hein? Il n'y a plus d'infection. Il est comme un œuf. C'est la dernière fois que vous le voyez. Vous allez nous manquer, docteur Dufour. Ah, vous n'avez pas à vous inquiéter, hein? Goliath va être entre bonnes mains. On a une bonne équipe, vous savez. Oh, ce sera plus pareil. Ça va être mieux. Il faut faire de la place pour les jeunes. La jeunesse remplace pas l'expérience. Ah, mais le docteur Constantin a quand même une quinzaine d'années d'expérience, hein? Mais il est moins beau que vous. Petit cadeau. Oh! Ah, ben vous auriez pas dû, tout de suite. Ah, que c'est gentil. Ben, merci. Merci beaucoup. Bon, viens, mon beau Goliath. Viens. Tenez. Tenez, madame. Je vous rejoins dans quelques secondes. Hein? Non, 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 non. J'en ai fait du conditionnement physique. Okay. Je veux garder la forme. Vous en forme, moi? Que me veut l'honneur de ta visite, cher François? Ah, rien, je passais, là. J'ai travaillé plus tôt que prévu, puis ça me tentait pas de rentrer chez nous seul, tu sais. Tu n'es pas tout seul? T'es au Bouddha? Ouais, je sais bien, mais. Un chien, c'est le fun, mais pour parler, c'est pas terrible, t'sais. Non, c'est vrai. Mais ça écoute, par exemple. C'est plus au niveau des conseils que c'est pas fort. As-tu besoin d'un conseil? Non, c'est juste que j'ai un problème, puis je vais en parler à quelqu'un, je pense à toi. Bien, je te remercie de ta confiance. Ah, mais attends, là, je pense à toi parce que tu me connais, puis tu connais bien les gens que mon problème concerne. J'ai encore une petite hésitation. Laquelle? C'est juste que ce que je vais te dire, j'aimerais ça que ça se retrouve pas, genre, dans un article. Ou bien dans une thèse, ou bien dans les oreilles d'Isabelle. C'est correct, François. C'est beau. Je te jure que ce que tu vas me dire va rester entre nous deux. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est un peu compliqué. Tu sais, Caroline, mm-hmm. La sœur de Louis, qu'on a vu l'autre soir au bar. Ben, je la trouve pas mal de mon goût. J'ai cru remarquer, ouais. Mais tu sais, cette fille-là, moi, je l'ai connue, elle était quasiment bébé. Là, j'aurais l'impression que ce serait quasiment de l'inceste, tu sais. C'est toi qui compliques tes affaires, François, là. Vous avez aucun lien de parenté, tu l'as même pas reconnue l'autre soir. Ben, c'est ça l'affaire. Je me demande si c'est pas parce qu'elle est jeune que je me sens bien avec elle, tu sais. C'est parce qu'à travers cette relation-là, moi, je vais vivre une partie de mon adolescence inconsciemment, tu sais. Une partie que j'ai rejetée, tout le bout, j'avais des broches. Tu sais, c'était un bout que j'ai refusé de vivre. J'avais des élastiques dans le fond, puis chaque fois que j'embrassais une fille, j'avais peur que ça y pète dans la face. Ah, mais c'est pas vrai. J'ai créé un monstre. En plus, j'étais allergique au polyester. Ah! De la vie, et puis c'est criqué. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Des tartes. Oui, je vois bien, là, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ben, je suis venue souper avec toi. C'est vendredi soir, j'ai autre chose à faire que de manger avec ma mère. Oh, oui, je sais. Non, je me suis dit que tu te laisserais peut-être tenter par un petit pâté au poulet. J'ai pas faim. La tarte au citron? J'ai pas envie. Ça se peut pas, ça. Quand t'étais petite, t'aurais vendu ta mère pour ce genre de repas-là. J'aurais vendu pour bien d'autres choses. Regarde, je vais même te faire des pâtes de serre, si tu veux. Même si je dis non, tu partiras pas, hein? Je pense que non.
Passe-moi le rouleau. Hein, tu mets jamais assez de cassonade. Maudite belle job. Félicitations, Dr. Martino. Marjolaine, viens voir ça. Marjo. Mm. Regarde, on lui a fait une belle mâchoire neuve. Ah, c'est beau. Mais t'as pas laissé ton film assez longtemps dans le révélateur. Ta radio est trop pâle. On sait bien, dès que je fais une radio tout seul, il faut que tu chiales. Non, mais chiale pas. C'est que t'en fais plus assez, t'as perdu le tour. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? J'engagerais une belle jeune technicienne qui serait en admiration devant moi comme toute bonne technicienne doit l'être. Docteur Dufour, oh. Première ligne. Oh! Grand maître, gardien du savoir vétérinaire! Permettez-moi de vous dire que cette radio, elle est en tabarouette. Ça s'en vient bien, Martineau, ton affaire là, avec le personnel? Hein? Fais-en pas trop. Tu peux bien demander pardon à genoux, hein? La radio-là, là, est pourrie. Je te l'avais dit. Oui? Bobby, as-tu terminé? Oui, je viens juste de finir, là, ça s'est bien passé. Est-ce que les propriétaires ont téléphoné? Hein? Ah, oh, je te parle pas de ta chirurgie. Je te parle de la chanson. Désolé, j'ai pas eu le temps. Pourquoi tu l'écris pas, toi? Tu le connais mieux que moi, le docteur Dufour. Ben, justement, je le connais trop. Et puis, t'avais promis. Oh oui, je vais le faire. Bon, merci. Oh, elle est pas bien belle, ta radio-là, hein? Et là-là. Je comprends pas là, pourquoi tu t'en fais autant, François. En as-tu parlé avec Louis? Après l'autre soir? Je suis pas sûr d'avoir envie d'y en parler non plus, non? En as-tu parlé avec Caroline? Non, je n'ai pas parlé avec Caroline. C'est avec toi que j'en parle, là. On va se sortir avec. Un soir, juste pour voir, là. J'ai peur de la réaction de Louis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fasse? Ben, tu sais, je me mets à sortir avec Caroline, là. Là, je vais devenir son beau-frère. Puis là, c'est pas la même affaire qu'un chum, ça. Là, un beau-frère, c'est plat, t'sais, une bête, une moustache, tu sais. François, tu changeras pas parce que tu vas sortir avec Caroline. Ben, ça, c'est une autre facette du problème, ça. Parce que moi, je changerai pas, justement. Qu'est-ce qui arrive si pendant que je sors avec Caroline, mettons, là, une autre fille m'intéresse temporairement, là, tu sais. Et là, Louis, il va pas trouver ça drôle que moi, je trompe sa sœur. Ah, attends. Là, tu t'inquiètes de ce qui arriverait si tu trompais une fille avec qui t'as dansé une fois. Hey, si moi, je suis compliqué, là. Hey, Marie, je te parle de possibilités, là. Je te parle de probabilités. Parce que, tu sais, Marie, c'est part du problème suivant, c'est que moi, je suis un gars qui est constamment exposé à une multitude de tentations diverses, tu sais. Moi, j'ai de la difficulté à dire non parce que je suis normalement constitué, fait. Mais là, si je me trouve à sortir avec Caroline, qui, elle, se trouve être la sœur de Louis, qui, lui, se trouve être mon meilleur ami, puis que moi, je me ramasse par le fait même en sortant avec la dite Caroline, son beau-frère, puis que là, je m'intéresse à une autre fille temporairement, ben là, ça va être deux fois plus compliqué, comprends-tu? Puis moi, j'ai pas envie de perdre l'amitié de Louis juste pour une fille. Ah, tu vas vite, là, François, tu vas vite, puis c'est bien compliqué, là. Écoute, peut-être que Caroline, là, elle veut rien savoir de toi. Peut-être qu'elle voulait juste s'amuser l'autre soir. Hey, Maryse! Je sais reconnaître une fille qui me veut, puis une fille qui me veut pas, puis elle, je te dis ce qu'elle me veut, puis pas à peu près. Non, le problème, c'est pas Caroline. C'est Louis, le problème. Bon, mais c'est bon, ça, François. Parce qu'une fois qu'on a trouvé le problème, on peut s'attaquer à la solution, hein? Fait que va voir Louis, puis parle-lui-en. Ouais. Après l'autre soir, moi, je suis pas sûr d'avoir envie de me faire traiter de moron encore une fois. Là. François, je pense que tu t'en fais trop, là, hein? Fais comme d'habitude. Arrête de penser, puis fonce, hein? Pas une histoire de fille qui va t'arrêter. C'est pas une histoire de fille, ça, Marie. C'est une histoire de gars. Bon, ben, tu sais quoi faire. T'as bien raison, toi. C'est ça que ma femme m'a allé voir, Louis. On se parlait entre gars, là. Ça va être bien plus simple. Tu sais, les gars, c'est direct, tu sais. Ça passe pas par 15 000 détours différents, toutes sortes d'affaires de même. Merci bien, ma grande. Bien fine. Bienvenue. Pas mal sûr, ça va se régler. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, c'est parce que Maryse m'a téléphoné, puis m'a demandé si ça me tentait toujours d'avoir un petit avec elle, parce qu'elle a changé d'idée, là. Fait que moi, serviable et aimable comme je suis, tu sais bien que j'ai dit oui. Mm-hmm. Hein, ma chouette? Ben oui. Non, c'est pas vrai. Ben non, il te niaise. Tu te fais mourir, toi. D'ailleurs, non, on fait mourir Isabelle. Quelle heure est finie, ton chum, toi? Ah, je sais pas, il préparait quelque chose pour le docteur Dufour. Ah ouais, c'est aujourd'hui qu'il prend sa retraite, là. Ouais. Hey, ça veut dire que c'est aujourd'hui que Louis il devient boss pour de vrai. Oui. J'espère que vous avez fêté ça. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et voilà. C'est à ça que ça sert, les gars.
Pour penser pour vous autres, les femmes, laissez faire les pitounes, je m'en occupe du party. Bon, ben. Bye, ma chouette. Bye, mon chou. Trouvez-y un nom. Qu'est-ce qu'il voulait? Ah, secret professionnel. Hey, je te regarde, toi. T'as pas l'air bien, bien en forme. Ouais? Mm. Pour l'instant, je vais recommencer les mariages. J'ai été porter mon CV à une coupe de place. Mm. Ça m'écœure en maudit pour le contrat de parfum. En plus, j'avais pensé à un super beau concept. Ça m'aurait aidé, ça, à me trouver une job. Hey, mais pourquoi tu retournes pas aux études en communication? C'est vrai que tu serais pas... Ben non, l'université, c'est pas pour moi, ça. Non, Sophie est assistante aux éclairages, là, sur un plateau de tournage. Ça a l'air trippant. Fait que j'ai fait application. Ben, je suis contente de voir que t'as des projets, hein? Ben, obligé. J'ai pas eu le temps de mettre de l'argent de côté trop tôt. Mais là, t'as pas à t'inquiéter avec ça, là. Julien te laissera pas dans la misère, non plus. Ouais, je le sais, là, mais... Disons que j'aimerais ça être capable de m'arranger tout seul. Au pire, je couche avec le boss, je sais que ça marche. Voyons donc, Gabrielle, tu sais bien que t'as pas fait ça pour ça. T'as pas couché avec Thierry parce que tu voulais une augmentation, une position. C'est parce que t'étais amoureuse de lui. Ben oui, c'est ça, maman. Un vrai beau conte de fées. Rien que de la merde, cette histoire-là. La grosse merde. Écoute, Thierry, il a peut-être pas été sincère, là, mais moi, je l'ai vu avec toi, puis il t'aimait. Vraiment. Je vois que Renaud t'a élargi l'esprit pas mal. As-tu vraiment envie qu'on parle de Renaud? Non. J'ai pas envie qu'on parle de Thierry non plus. Ah, ben, c'est comme tu veux, hein? C'est... Oh, mais ça marche pas, ça! Docteur Dufour, es-tu dans le coin? Non. Où est-ce que je cache ça? Va la porter dans la chenille. Reviens m'aider, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide. Okay. Quelqu'un s'est rendu compte que j'étais partie? Non, personne. Je suis la championne de la dissimulation. Une vraie James Bond. Tant mieux. Je me suis pas trouvé bien, bien brillant de l'avoir laissé chez vous hier soir. Moi, je pensais que t'étais partie avec. Mm. Ah, c'est ça, avoir deux logements. C'est vrai, ça. Ben, habitons ensemble, dans ce cas-là. Docteur Dufour, c'est à votre tour de rester couché à chaque jour. C'est pourri, ça. C'est beau, hein? Je dis que ces clients l'aiment, ils vont s'ennuyer. Oui. Oh, pis, la chanson? Je te dis que l'abandon pis moi, c'est deux, hein? Un couplet, penses-tu que c'est assez? Ben oui, si c'est bon, ça n'a pas besoin d'être long pour être efficace, tu sais. Cool pis pas bon, ça fait-tu pareil, ça? Oh, 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 toi, tu parles de tes performances sexuelles, c'est ça? Non, des tiennes. Allô, François. Allô, Pamela. Ça va bien? Oui, salut, quelle heure? Tiens, donne-tu un coup de main. Je pense qu'il manque d'inspiration, hein? Ah bon? Coulons, toi. Qu'est-ce qu'elle veut dire par « tu manques d'inspiration»? Non, 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 non. Pamela va faire une surprise au docteur Dufour. On va y chanter une chanson, puis c'est moi qui ai été choisi pour écrire les paroles, mais c'est pas mon domaine, ça. Ah, ben oui, y'a rien là, ça, voyons donc. Ça retourne de ton imagination. Tu prends un inconnu, tu te laisses aller, c'est facile, ça. Check bien, écoute bien ça. Avec sa retraite, le docteur Dufour inquiétera les bêtes presque pour toujours. C'est bon, écris ça, écris ça. Il profitera de la nuit et du jour. La belle Pamela, je vous dis qu'il la fera. François! Qui lui fait l'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, oh non, t'as l'esprit mal tourné, tu penses croche, toi? Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'es venu faire ici, là? Rien, je suis venu voir comment mon montre chum allait. Il me semble que tu dois avoir autre chose à faire de tes après-midi que de venir dire salut à ton meilleur chum. Ouais. En fait, je suis venu parce que... Parce que je me demandais si... Ça dérange... Garde, je fais un souper chez vous ce soir. Ça tente-tu de venir? Tu m'invites chez moi. Merci beaucoup. Non, mais c'est pour fêter ta nouvelle nomination de boss. Non, je serai pas le boss. Ça va être Constantin qui va être le vrai patron. Ouais, mais quand même, tu vas avoir plus de responsabilités. Pas vraiment. Toi, ta mère, elle vient de faire de toi. Hein? Oui, je pense qu'elle va... Tes sœurs aussi vont être contentes, mon gars. Oh, oui, toute la famille va être bien contente. C'est-tu correct, ça? Bien correct. C'est bien correct. C'est important, la famille. C'est important que la famille soit fière de nous autres, puis qu'on soit fiers de notre famille, qu'on l'aime, notre famille. C'est important, hein? Puis la laisser vivre sa vie, tu sais, puis pas essayer de prendre des décisions à leur place, tu sais, puis
Surtout pas des décisions amoureuses. Ça, c'est important, par exemple. Tu vois, moi, mon père, là, quand il a voulu marier Marie-André, moi, j'étais pas d'accord. J'ai fait de la peine à mon père. François? Puis c'était pas de mes... Ça me ferait bien chier que tu sortes avec ma sœur. Est-ce que tu dis que tu voulais qu'on habite ensemble? Quoi? Est-ce que tu veux qu'on habite ensemble? Toi? Mais est-ce que tu veux qu'on habite... J'ai pas dit quoi, j'ai dit toi. Est-ce que ça te tente? Qu'est-ce que tu vas faire après ton doctorat? Oh, je ne sais pas encore. Donne-moi une chance, j'ai pas fini. Mais je sais pas, c'est LSC, j'aime bien ça. C'est parce que tu travailles avec Philippe. C'est vrai que c'est agréable, là, mais c'est pas à cause de ça. Non, j'assistais à des réunions syndicales. Je te dis que ça brasse. Médiatrice, hein, j'aimerais peut-être ça. Ah, c'est vrai que ça t'irait bien, ça. Faut aimer le trouble. Moi, tu peux bien parler. C'est toi qui travailles avec des troublés. Jasmine, là, c'est pas ce qu'il y a de plus équilibré, hein? Ah! Plus haut? Ça dépend. Quand t'es enfant, c'est très stimulant, mais là, on dirait qu'elle est dans un creux. Ah, je suis plus capable. Je te dis que si ça déprime dure encore longtemps, je pense que je vais être tentée d'accepter l'offre de ma mère. Ta mère t'a fait une offre? Ouais. Elle est prête à me financer si je me lance en affaires. Ben, c'est génial. Fais-le. Ah, je sais pas. J'aime mieux me concentrer sur la création. Même si c'est pas mon nom que sur les vêtements, comme dit maman. Ouais, mais c'est quand même tout un changement d'attitude de sa part, en tout cas. Ah, c'est vrai que depuis qu'elle peut péter de la broue en société avec sa fille designer, ça va beaucoup mieux. Allô? Non. Oui? Es-tu, tu veux parler? OK. OK. Bye. C'est François. Il nous invite à souper. Wow, où ça? Chez vous. Ah, semblait aussi que c'était trop beau pour être vrai. C'est ça. Tout est parfait. Je viens de rejoindre les petites filles. Ils vont nous préparer un bon petit souper. Je te dis, je comprends Isabelle de vouloir te tuer des fois, toi. Toi, là, il y a une fille sur la terre qui est imperméable à mon charme. Ça se trouve être ta blonde, ça. Fait que compte-toi chanceux, mon gars, hein? Parce que ta sœur, elle... François, je te le dis puis je te le répète, tu feras bien ce que tu voudras. Mais en ce qui me concerne, il est hors de question que je te donne ma bénédiction. Pourquoi? Comment ça, Louis? Tu me connais, pourtant. On dirait que tu me fais pas confiance. Voyons donc, toi, c'est correct, j'ai eu des petites infidélités dans le passé, mais justement, c'est des infidélités puis c'est du passé, ça. Je m'en fous que tu trompes ma sœur. La question est pas là. J'ai pas le goût de la voir à chaque fois que je te vois. J'ai pas le goût d'entendre parler d'elle, puis j'ai pas le goût, surtout, que notre amitié change à cause d'elle. T'en connais pas, ma sœur, c'est un gros bébé gâté. C'est une manipulatrice, elle fait même pas le ménage chez nous, elle se ramasse pas. Elle a pas d'argent, jamais une scène, elle quête tout le temps. OK, c'est correct, Louis. Pas débile, là. Alors, de toute façon, mon idée était faite là-dessus. Inquiète-toi pas, là. Pas toucher à ta sœur. Ouais. C'est juste pour voir si on avait la même idée là-dessus, tu sais. Bon, ben, on va y aller, moi, là. C'est ça. Ah, j'ai deux petites filles que j'amenais le dessert puis le vin. Fait comme je suis pas macho, on va aller faire ça. OK. Fait que salut. Salut. Puis, inquiète-toi pas, hein. Toucherai pas à ta sœur. C'est juste plate pour elle, la pauvre petite Caroline. Mais qu'est-ce que tu veux? Je peux pas, je peux pas. Franchement, pas de temps. Oh, wait, les gars! Marjolaine? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? J'ai mis le pied dans une chaudière. Heureusement, elle est vide. Est-ce que t'as vu Marjolaine? Marjolaine? Marjolaine, je pense que... Tu me cherchais? Oui, je voudrais revoir le chat fracturé. Coudonc, vous deux, là! Je vais chercher ton chat! Faut que j'aille faire mon punch. Jean-René! La prochaine fois, t'essaieras la chambre noire avec la petite lumière rouge, là. C'est génial. Mais après la fermeture, OK? Oui. Merci, Docteur Dufour. Bonne retraite. Profitez-en. Merci. J'en ai bien l'intention. Oh, c'est...
Tenez, en gage de notre appréciation. Ah, ben, vous auriez pas dû vous me gêner, là. C'était pas nécessaire. Un bon Bourgogne, c'est toujours nécessaire. Puis ça, c'est Cybèle qui tenait absolument à vous l'offrir. Ben, voyons. Merci. Merci beaucoup. Cher docteur Dufour, c'est avec joie que je vous vois partir vers une... Je peux pas dire ça, c'est avec joie que je vous vois partir. Cher docteur Dufour, vous nous quittez. Ouf, tu parles d'une journée, toi. Ah. On dirait que tous mes vieux clients se sont donné le mot. Hey. J'ai pas eu le temps de commencer à ramasser mes affaires. Ben, c'est une marque de grande estime. Hein? La clinique a une excellente réputation et c'est en grande partie grâce à vous. Pascal, fais-moi pas ton discours tout de suite, garde-en pour tantôt. Non. Hein? Inquiétez-vous pas pour les discours, j'ai toujours de l'inspiration. Ah, je suis certain que mon départ t'inspire. Tu vas enfin pouvoir mener la barque à ta guise. Non, non, c'est pas ça du tout. Non, malgré ce que vous pouvez en penser, vous allez me manquer. C'est vrai, on n'a pas toujours été d'accord, mais on formait une très bonne équipe. Et puis, vous m'avez tout montré. Vous m'avez même montré comment faire fonctionner une clinique pour que ce soit rentable. Pascal, l'administration, c'est important, mais c'est pas la seule chose importante. Hein? Oublie jamais pourquoi tu es devenu vétérinaire. C'est pour soigner les animaux, pas pour courir après les profits. Oui, mais c'est une grande responsabilité. On est plusieurs à gagner nos vies ici, et puis il faut être capable de le faire décemment. Ah oui, ça, je suis bien d'accord. Bon. Mais ce qui m'inquiète, c'est que j'ai peur que tu perdes la flamme. Hein? Quand t'as commencé, t'en mangeais de la médecine vétérinaire. Puis t'étais bon. Maudit que t'étais bon. Tu me donnais des complexes. Ben, voyons donc. Non, non, j'étais comme tout le monde. Hein. Je pensais que je savais tout, puis après un mois de pratique, je me suis rendu compte que je savais rien. Vous m'avez tout montré, surtout au niveau des relations avec les clients. J'étais pas tellement patient. Hein. On peut dire que t'en as gagné avec les clients. Mm-hmm. Mais maintenant, fais bien attention avec les employés. Hein? Non, inquiétez-vous pas, Louis est là. Bon. Bon, mais je vais en ramasser un peu, moi. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces bibelots-là? Je ne peux pas dire que j'aime beaucoup ça. C'est des vrais ramasse-poussière. Hé, hey, Pascal! Si je les laissais, tu pourrais décorer ton bureau? Non, non, oh, non. Oui, ça serait beau. Non, merci. Non, non, c'est des cadeaux de vos clients. Tu veux pas? Non, non. Ils seraient déçus que vous ne les preniez pas, alors. Je vais aller vous chercher une boîte. Le fameux pâteau au poulet. Et puis, ça me fait toujours penser à Jacques. Non, mais je veux dire, il aimait ça beaucoup, lui aussi. Mm-hmm. As-tu reparlé à lui depuis que t'es parti? Ben oui. Il a fallu qu'on se voie pour régler nos affaires, là. Mm-hmm. On a recommencé à se parler sans s'arracher les cheveux, là. Il n'a pas si mal, hein? On a même ri l'autre jour. Mm. Non, c'est pas encore tout à fait digéré, là, mais ça s'en vient. Nathalie? Nathalie, elle me fait suer. Ben, au début, elle était fâchée, mais après, ça allait mieux. Elle est même venue me voir une couple de fois. Puis là, elle est repartie sur autre chose. Je sais pas si c'est genre qui met des affaires dans la tête ou quoi. En tout cas, là, elle s'est drapée dans une attitude de vertu outragée. Là, je suis la mère pécheresse qui se vautre dans le stupre et la débauche. Elle est complètement fermée. Il n'y a rien à faire pour m'adouer. As-tu essayé le pâté au poulet puis les tartes au citron? Hmm? Ça marcherait pas. Elle est moins gourmande que toi. Mais tant pis pour elle, elle sait pas ce qu'elle mange. Hmm. Je gâche que tu t'es pas fait un seul repas qui a de l'allure depuis que Julien est parti, hein, là. Je m'organise. C'est juste que j'ai pas tellement faim de ce temps-ci. Bon. Venez, vous êtes belle. Tout est prêt. Oh, merveilleux. Tiens, Jean-René. Okay. Je porte ça là-bas. Oui. Tiens, je pense que c'est bon pour prendre celui-là aussi. Bon, OK. Oui, OK. Jean-René, attends une petite minute, là. Ben là je prends un œil là-dessus, OK? OK. J'ai fini la chanson. C'est pas génial, là, mais ça devrait être. Oh, c'est parfait. Tiens, Louis, peux-tu m'aider? Tiens, prends ce bouquin-là. Fais attention, il est sensible. OK. Tiens, prends celui-là aussi. Ah oui? Oui, merci. Bon, on va danser dans la salle. Bon, ça, c'est fermé. Tiens. Tout le monde a signé. Bon. C'est combien pour le cadeau? C'est 20 $. Alors, docteur Constantin, est-ce que vous pourriez, là, subtilement récupérer les figurines qui sont dans le bureau du docteur Dufour? Pourquoi faire? Ben, c'est pour le cadeau. Ah? Ah oui?
On peut savoir c'est quoi? Ben, c'est parce que là, tout le monde m'a téléphoné pour une suggestion de cadeau. Alors, j'ai eu une idée. J'ai eu l'idée de construire un cadeau souvenir pour docteur, pour Jean-Claude. Ah. Hein? Alors, j'ai téléphoné aux clients et leur ai dit d'apporter une figurine de leur animal. Ah, les figurines, c'est toi! Oui, oh, je suis pas mal fière de moi! Hey, je te dis qu'on se donne du trouble. Sandwich, elle coûte bien en masse. Oh, arrête donc. Louis va être content qu'on le fête. C'est pas de fêter Louis qui me dérange, au contraire. De me faire imposer par François qui m'écœure. Je te dis que c'est donné le beau rôle, lui, le vin puis le dessert. Pas trop forçant. Change d'humeur, Isabelle. Tu vois, ça va être le fun, un beau petit souper à quatre. Hein? Veux-tu un petit verre de vin pour Alexis? Ah ouais donc. Non, t'as raison, là. On oublie tout, on fait le party. Au diable, Jasmine, ma mère, la boutique. Tiens, le seul que t'as pas envoyé chez le diable, c'est Simon Olivier. Hey, toi, commence pas. C'est vrai, tu veux que je change d'humeur, t'arrêtes pas de me faire fâcher. Mais mon Dieu, c'était une blague. Là, es-tu menstruée, toi? Hey, je te dis que t'es pire que François, toi. Non, je suis pas menstruée. Je vais l'aider demain, par exemple. Ha! Alors, je te dis, depuis que j'ai arrêté la pilule, là, c'est l'enfer. T'as arrêté la pilule? Mais non, c'est pas ce que tu penses. J'ai arrêté, j'étais tannée. C'est vrai que si à un moment donné, je veux un bébé, ben il va bien falloir que j'arrête. Mais là, on n'en veut pas, là, pas tout de suite. Non, mais vous y pensez. Ben oui, on y pense, c'est normal. Ça veut dire que je vais être marraine? Non, non, calme-toi, là. De toute façon, avec les précautions qu'on prend, tu seras pas marraine de sitôt. Non, c'est pas grave. Laisse-moi au moins rêver. Hey, arrête de rêver, coupe les légumes. Hey, les nerfs, les hormones, OK? Qu'est-ce que c'est, les hormones? Ça avance bien? Oui, oui, ça avance. Moi, juste ces cochonneries-là, là. Oh, docteur Dufour, c'est des cadeaux de vos clients. Ah oui, c'est pour ça que je les jette pas aussi. Non, mais regardez, ils ont même réussi à trouver la même race que leur animal. Ah. Vous savez, ça se donne pas, ces figurines-là. Ça se donne très bien. Les veux-tu? Non. Mais c'est quand même une coïncidence, hein? On dirait qu'ils se sont tous donné le mot. Ah ouais? On dirait d'un complot. Je suis certain qu'il y a quelqu'un qui m'en veut, moi. Voyons, docteur Dufour, c'est peut-être l'inverse, hein? Quelqu'un qui est près de vous. Quelqu'un qui vous aime. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est peut-être quelqu'un qui veut vous faire plaisir. Et qui serait très déçu de s'être trompé. Ah! Ah! Merci. Ah. Merci, Pascal. Vous voyez, je commence déjà à faire attention à mon personnel de soutien. Hein? J'avais l'impression d'être dans un mauvais film. Quand je l'ai vu arriver avec le petit... Sa cousine pis son filleul. Comment j'ai pu être aussi épaisse? Mais tu pouvais pas t'en douter, voyons. Ah, j'ai eu tous les signes que j'ai pas voulu voir. Oh, mais... Quand on regarde ça après coup, c'est facile de décoder, mais quand on est dedans, c'est une autre histoire, tu sais. Je sais bien. François m'avait prévenu, me l'avait dit que c'était pas... Mais t'avais pas mal de raisons de pas croire à son objectivité face à Thierry. Il t'aime, François. Ben, puis là, là. Je connais François, c'est pas le genre à se morfondre bien, bien longtemps, puis moi non plus. Sois pas trop exigeante envers toi, Gabrielle. C'est normal d'avoir de la peine, tu sais. Donne-toi le temps un petit peu. Hein? Ça m'enrage pareil de m'être fait avoir. Prends ça comme une expérience de vie. Ouais. Puis t'es en train de me donner toute une leçon. Ben oui. Là, je t'ai livré ma recette ultra secrète de pâte au poulet, là. Ouais. C'est pas ça que je voulais dire. Quand Renaud t'a... Quand t'as décidé de retourner avec Renaud après... Disons que j'ai pas essayé de comprendre trop avant de juger. Je t'ai rien donné à ce moment-là. Ni amour, ni compréhension, rien. Puis toi, t'es là, tu viens me voir pareil, puis... Tu m'as fait pas mal de peine l'autre fois, Gabrielle. T'avoue que sur le coup, là, je souhaitais même que tu te casses la gueule juste pour voir comment ça fait mal.
Puis après, j'ai essayé de me mettre à ta place. De voir comment j'aurais réagi, moi, à ton âge aussi. Ma mère était partie avec un petit jeune comme ça. Parce que j'aurais pas été mieux que toi, tu sais. Merci. Oups, ouais. Petite madame manque d'affection, hein? François Dion de Kisser Eater est arrivé. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va? Oui. Toi? Salut, chouette. François, si tu viens pour te faire payer à souper, il est trop tard. On est déjà rendu au dessert. Ah, non. Et Burslack, ça a l'air bon, cette tarte-là. C'est-tu toi qui as fait ça, Madeleine? Oui. Veux-tu un morceau? Non, c'est correct. Moi, je suis pas venu me faire inviter à souper, là. Mais on va manger chez Louis. Je suis venu voir comment t'allais, toi. Ça va. Tu vois, il n'y a pas juste toi que je viens appeler. Ils ont aussi demandé à François pour venir me surveiller un peu plus, puis passer une petite annonce dans le journal. C'est parce qu'il t'aime, ça, chouette. Sais-tu que je pense que je vais revenir demain voir comment tu vas? Va bien rester de la tarte, hein? Mais oui, c'est sûr, il y en a deux autres dans le frigidaire. Tant qu'à faire de la pâte, là. Ah oui. Tant qu'à faire de la pâte. Toi, t'es un chum, toi. Voilà, docteur Four. Merci, Jean-René. Très bon. Mmh. Docteur Constantin? Non. Merci beaucoup. Docteur Dufour, on m'a demandé de faire un petit discours pour souligner votre départ. Mais inquiétez-vous pas, là. Je serai bref et cohérent cette fois-ci. Moi, je me suis méfié, j'ai pas bu de punch. Ah bon! Ah bon! Alors, ben, ça va comme suit. Cher docteur Dufour, vous prenez une retraite bien méritée. Quand on regarde tous vos accomplissements professionnels, on se rend compte que vous avez eu une carrière bien remplie. Et heureusement, votre vie personnelle s'est aussi remplie dans les derniers mois. Nous vous souhaitons une retraite active et heureuse, à pratiquer les activités que vous aimez, avec les personnes que vous aimez. Active, activité. Nous, on va reprendre le flambeau et continuer à faire prospérer cette belle entreprise que vous avez créée. Hein? On ne peut pas se le cacher, on perd un gros morceau. Je dirais même que la clinique perd son âme. Ce sera à tous nous autres de lui en forger une autre. Bonne retraite. Bravo! Bravo, docteur Constantin. C'est bon. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'aime bien ça, me faire traiter de gros morceaux, mais... Merci quand même. Vous savez que je vous ai toujours considéré... Oh, un instant, c'est pas à toi à parler. Ah, oui, Jean-René. Oui, parce qu'on a une petite surprise pour toi. Oui. Ça va, Jean-René? Attention. On y va? Quand la clinique dit bonjour au docteur Dufour, c'est tout le monde qui se sent le cœur serré. Vous méritez de vous retirer, cher docteur Dufour. Mais c'est fou ce que vous allez nous manquer. Vos bâtons de golf seront remplacés, les chiens, les chats et les nombreux clients. Ah! Quand la clinique dit bonjour au docteur Dufour. Ben, hein? Arrêtez-vous. Vous allez me faire pleurer avec vos affaires. Là. C'est toi, Pamela, qui a composé ça? Oh, non, c'est Louis. Ah, ben, t'as des talents cachés, Louis? Ouais. Puis toi aussi, Jean-René, là, la guitare. J'aimerais porter un toast. Allô? Hey! J'ai réussi à te libérer. Ah oui, je ne pouvais pas manquer un événement comme celui-là. Merci beaucoup d'être venu, Raphaëlla. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Un petit verre de punch, Raphaëlla? Oh non, je dois retourner travailler et je me méfie un peu de ton punch. Tu vas quand même rester pour le cadeau? Oh, mais oui. Hein? D'abord, c'est la carte. La carte? Oui. Oh, c'est tout des chiens.
C'est bien. Et maintenant, voici le cadeau. Hein? Cher docteur Dufour. Non, c'est cher Jean-Claude. Hein? Oui. On sait à quel point ta pratique te tient à cœur. J'ai pensé, avec l'appui de tes meilleurs clients et moi, t'offrir ceci. Wow! Oh. Magnifique! Wow. C'est un excellent choix. Ah, ouais. Je trouvais ça drôle aussi que tout le monde ait eu la même idée, là. Hein? Bon, c'est sûr que la pratique, les clients vont manquer, mais c'est surtout vous autres, là, puis la belle équipe que vous formez qui allez me manquer le plus. Hein? Vous faites toujours partie de l'équipe, ça prend des vétérans pour gagner la coupe. Oui, oui, mais là, je vais surtout vous regarder patiner. Hein? Bon! À la belle équipe de la clinique vétérinaire Dufour. Oui, hein? Docteur Dufour! Docteur Dufour! Ah oui, Jacques-Claude. Au docteur Dufour. Ah, mais oui! Au docteur Dufour! Bon, hey, ça prendrait un peu de musique, là. Ouais. Je me demandais, docteur Constantin, si ça ne tentait pas de nous pousser une de vos petites tunes de répertoire, un petit peu spécial. Non, 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 pas question. Hein? Mais voyons, docteur Constantin, vous chantez si bien. Oui, juste. On va vous aider, on va chanter avec vous. Oui. Pascal, non, non. Pascal, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, ben là, hein? Bon, si vous prenez comme ça. OK. À savoir comme suit. Derrière chez nous, il y a un état. Derrière chez nous, il y a un état. Ah ouais, la petite jument. Ah ouais, ah ouais, la petite jument. Ah ouais, ça sent bon. Je savais que je pouvais compter sur vous autres, les petites filles. Merci, François. C'est un plaisir de cuisiner pour toi. Oh, shit. Je pensais que Maryse allait t'aider. Je suis un petit peu déçu, moi, là. Mais la prochaine fois, tu nous enverras tes instructions par écrit et la recette, tant qu'elle y aille. La prochaine fois, tu nous inviteras au restaurant. Mm. Non, le restaurant, c'est plate. C'est bien mieux de manger à la maison. Il n'y a rien de mieux que la bonne bouffe québécoise. Qu'est-ce qu'on mange? La paella, c'est pas tout à fait québécois, mais les moules viennent des îles de la Madeleine. Ah ouais, de la paella. Ah ouais, c'est le fun. C'est j'aime ça le Libanais, moi. On va faire dans le multiculturalisme, parce que moi, j'ai amené un super bon petit vin italien et un dessert directement de Suisse. C'est pas vrai. T'as pas acheté un dessert au chocolat écœurant? You bet. Des roulés suisses. Quoi? Quoi? C'est pour ça que t'as apporté comme dessert, là? Ah oui, quoi, c'est super bon, les roulés suisses. Non, c'est pas vrai. Ça fait 2 heures qu'on se fait en 4 pour faire à manger, puis toi, t'étais même pas capable de donner un dessert qui a de l'allure. Tu mangeras pas. Oh, minute, panique pas, check. Tu vas même pas passer date. En soi, c'est toi qui organises tout ça, là, puis t'apportes même pas les bonnes affaires. Ils avaient leur raison. Tu fournais meilleur dessert ou tu manges pas? Ah, on peut pas faire ça, les filles commandent, là. Louis, c'est pour lui qu'on fait ça, puis si je suis pas là, il va être déçu, tu sais. Non, 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 François, tu nous auras pas par les sentiments, espèce de profiteur, parasite, sensu, coquerelle. C'est correct. Hey, vous mordez vite, les filles, franchement, là. Là, vous pensez sérieusement que je vais amener cette cochonnerie-là comme dessert, non, mais... Voyons donc, franchement, le dessert, il est dans le truc, là. Je m'en vais le chercher en bas, là. Hey, quoi que je vais amener comme dessert, non, mais vous gagnez pas de classe, vous autres, hein? Pas de culture, vous me faites pitié, filles. Franchement, les roues, les Suisses, j'en viens. Penses-tu qu'il va revenir? Je sais pas. Mais si c'est vrai que le dessert est dans son camion, il devrait être revenu dans 2 minutes. Ah ouais? Je gage pour une demi-heure. 45 minutes. Bien été, hein? On fait une bonne équipe. Oui, docteur Dufour, on fait une bonne équipe. Ouais. Vingt ans cette année. T'étais pas bien vieux, toi, quand j'ai fondé cette clinique-là. Avez-vous beaucoup de clients qui ont des animaux exotiques? Un peu. Puis là, c'est Pascal qui s'en occupe. Mais si t'aimes ça, envoie fort, ça s'en vient à la mode. Ben oui, ça m'intéresse. Mais je voudrais pas choquer le docteur Constantin. C'est lui qui s'occupe de ça d'habitude. Écoute, il va falloir que tu prennes ta place. Constantin, c'est une grande gueule, mais laisse-toi pas impressionner. Je suis pas inquiet. Qui a pris sa place? Hey, vous, là, vous êtes assez borné, là. Il y a des jours où ça vaut même pas la peine de parler avec vous. Je suis pas borné! Il est encore un petit peu borné, mais... Mais il est correct. Je t'aime comme un papa. Et toi, Pamela? Oui. Je t'aime comme une maman. Oui, 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 oui.
Je vous aime comme mes parents. Et je suis votre fils. Laissez-moi vous embrasser, maman. Oui, de... oui, oui. Non, mais... Vous êtes vraiment très, très correct. Hein? Allons, oui. Quoi ça a l'air? Ah, c'est pas trop grave. J'ai quand même une dizaine de points. Ouais, en tout cas, j'ai mis une note, hein? Au dossier de color. Faites-en pas, Pamela, je vais m'en souvenir longtemps. Je me suis pas méfié partout. Pour moi, tu voulais impressionner la cliente. C'est vrai qu'elle était pas mal cute. Ben, c'est ça qui arrive quand on fait les jolis cœurs. Oh, petit. Tu sens-tu un petit peu faible? Ouais. Viens donc t'asseoir dans la cuisine, prendre un bon café. De toute façon, j'emporte le meilleur de la clinique avec moi. Allez, viens. Tu manges pas tes moules, François? Alors, moi, le poisson libanais, là. Non. Hey, je vous ai pas compté ça. J'ai failli surprendre Jean-René et Marjolaine des culottes baissées dans le chenil, toi. Non, c'est pas vrai, pas dans le chenil. Elle manque d'expérience à la pire place de la clinique. J'avais déjà fait l'amour à la clinique. La clinique était fermée. Ils sont plus fantasques que nous autres, hein. Moi, le juste, c'est l'idée de me faire surprendre par Constantin. Là, je perds tous mes moyens. Bon, on pourrait-tu parler d'autre chose, s'il vous plaît? Parce que Dion, il est célibataire, hein? Ouais, moi aussi. Ah, mais toi, c'est pas pareil, Marie. Si t'as juste à lever le petit doigt, tu peux avoir le gars que tu voudrais, tu sais. Ah ouais, mais c'est pas pareil pour les gars. Mais parle pas toi, François, regarde là. Mm-hmm. Et voilà. Ah, tu dois pas lever le bon. Ça doit être ça, ouais. C'est vrai, tu l'as vu en action, toi. Bon, on peut-tu parler d'autre chose, s'il vous plaît? Parlons de construction. Moi, j'ai acheté un ratchet, ah, ça n'a non, pas de garantie non, à vie François, trempée. Non, on parle de psycho. Hein? Ça concerne tout le monde a un cerveau, là. Ah non. Non, François se sentirait exclu encore une fois. Non, on parle de mode, hein? Tout le monde s'habille. Non, on va parler de médecine vétérinaire. Je suis patron, c'est mon party. Non, commande, c'est plate. Moi, j'ai une meilleure idée. On fait chacune une phrase, comme ça, la conversation va plaire à tout le monde, c'est correct? Okay. Je commence. L'autre jour, j'ai construit... Une foule de complexes. De style militaire. À poil court. Qu'est-ce que c'est ça, à poil court? Ah, Louis, force-toi un petit peu. Puce ta tête. Faut que ça suive. Ben, ça suit. Les soldats, ils ont les cheveux courts. C'est vrai, il a raison. Ouais. C'est vrai, il a raison. Elle prend toujours pour son petit Louis. T'es beau, l'amour. Ouais. Bon, et là, on était supposé parler d'autres choses. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi, pas vrai d'être en amour, Marie. Vois-tu? Parce que moi, la fille, c'est laquelle je triffe, je peux pas y toucher. Comprends-tu? Parce que ça se trouve être la sœur de mon meilleur ami. Bon, OK. On passe-tu au dessert? Bonne idée, ça. Ah, mais avant, je tiens à m'excuser auprès de François devant tout le monde parce que j'ai vraiment douté de lui. J'ai vraiment cru qu'il avait amené des rouleaux suisses comme dessert. Ouais. Moi aussi, je tiens à m'excuser, François, parce qu'on t'a sous-estimé. Désolée. C'est l'histoire de ma vie, ça. Tout le monde me sous-estime. Oh. C'est vraiment la plus belle tarte au citron maison que j'ai jamais vue de toute ma vie. Profite-en, ça arrivera pas souvent. Burst like maison. Ben, c'est pour ça que j'ai pas le temps de passer à cet été des alcools, tu sais. Je veux dire, j'ai pas du temps à faire ça, une tarte de main, t'sais. C'est toi qui as fait cette tarte-là? Ben oui, c'est moi qui ai fait cette tarte-là. Elle me sous-estime, hein, vous voyez? C'est pire parce que ce gars-là, c'est mon meilleur chum. Ah, François. Moi, je propose un toast à François. Hmm? Tu le mérites bien? Non. François, sans qui nos vies seraient beaucoup plus ternes. Non, oui. À vous autres, les femmes, qui êtes le meilleur ami qu'un homme puisse avoir. Non. À nous tous. Ouais. Hey. Oh, wesh. Je vais t'aider. Tu devrais convaincre Julien de s'acheter un lave-vaisselle, hein? Mais ça... Gabrielle? Quoi? J'en avais fait trois tartes. Ouais. Mais il en manque une.